Salut à tous, Nifex 8, on se retrouve sur Far Cry Primal, on continue notre aventure et essayer d'avancer un peu plus vite. Ce qu'on va faire, c'est descendre vraiment dans le sud pour avancer tout ça. Parce qu'il nous reste juste. Disons qu'il nous reste cette zone par là. Est-ce qu'on descend directement? Cette la zone du nord est quand même bien faite ici, il faut attendre. Apparemment, c'est dans la forteresse Sudam. Je pourrais avoir le truc qui me manque pour pouvoir réussir à passer à travers le gaz. Du coup, je serais pas mal d'avis de descendre, en plus, on est juste ici. Allez, soyons fous, on va descendre, là il y a une zone que j'ai pas fait, c'est pas grave, le but c'est de descendre jusqu'ici. Ils vont découvrir au moins un petit peu la zone, du coup c'est parti les amis. Alors j'y suis presque, on a réussi à monter un peu jusque là. Au niveau de la carte, où on est exactement? D'accord, on a bien descendu, après on va passer dans ce petit col. Ah, ça me paraît bien tout ça, ça me paraît pas trop mal. Juste le temps de leur péter la gueule, on va y aller en mode... Attends, c'est un bûcher. Ah, est-ce qu'on essaie de le faire un tant soit peu discret? Je crois que c'est raté, vu les bruits que j'entends. À mon avis, parce que je suis repéré, c'est un bon. C'est juste qu'ils ont pas de chance, ils sont attaqués par un truc. Sors-moi la chouette, histoire qu'on puisse voir un petit peu une meilleure vision de tout ça. J'entends des bruits absolument terribles partout. Ok, il y en a deux, trois, oui, il y a un animal là-bas. Est-ce que genre je peux réussir à péter la porte directement? Oh oui, je peux. C'est plus simple. Genre, ouvre-moi la porte. Et du coup, oh, c'est dommage, vous êtes dans la merde. Il n'y a pas de souci. Faut que je me donne le gars qui fait l'alarme. Qui donne l'alerte là. Voilà, un de moins. On va essayer de faire la salle ancienne, le problème c'est que lui. Wow, compétence, dégage! Il vient me repérer. Ils l'ont repéré. Attends, c'est quoi qui bouge en ce moment? Ah oui, c'est le tigre qui est en train de tout ébouffer. C'est trop cool ça. C'est juste trop cool. Ouais, sauf qu'il m'a repéré ce con. Vas-y, bon, je suis repéré, c'est pas grave. Du coup, on y va en mode barbare. Ça va péter la gueule ancienne, ça irait très bien. Non, ça peut. J'ai dit en mode barbare. C'est gourdin le mode barbare. Voilà! Tu fous la paix à mon pote saleté! C'est pas vrai ça! Il est immortel ce con! Wouf! C'est bon, on y est arrivé. On y est arrivé. Victoire, les amis. Plus qu'à allumer le bûcher. Ils ont pris plutôt cher, écoutez. Ils sont tous morts comme des gentils petits. J'aurais peut-être limite dû laisser l'animal faire le taf. Ça aurait été encore plus simple. Mais bon, ça aurait été un petit peu abusé, on va dire. Allez, tu fous le feu. Là, on peut dire que c'était express. Ça, c'est clair. Victoire, premier bûcher. D'ailleurs, on est à combien? On a pratiquement tous les bûchers, là. 12 sur 16. Bon, ça s'avance, tout ça. Ça s'avance pas du tout. Population wedge a augmenté. 900 XP de récompense. Parfait, fin. Allez, on récupère le loot et on se barre direct d'ici, on n'a pas que ça à faire. Alors du reste, au niveau de la carte, du coup, on a quoi ici? Événement Major, on compte fou, on a des missions dont on s'en fout encore plus. Je vais peut-être repartir au sud, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est genre essayer d'activer ce petit feu de camp et après descendre là. Donc on a une vallée ici, puis a priori une vallée là, donc moyen de voir tout ça. Niveau compétences, j'ai trop plein d'expérience, qu'est-ce qui pourrait être intéressant par rapport à tout ça? Enfin, à mon avis, la chouette, ça pourrait être carrément cool. Ah, pour un point de plus, j'avais ça, enfin, gagner une barre de santé. Ah, ça peut être intéressant, on va le garder. On va le garder, du coup on y va. Attends, marque juste au niveau de la carte. Oui, c'est marqué, c'est là-bas. Allez, let's go, les amis. Ah oui, ça a la gueule, ça. Ça a de la gueule, ça m'intéresse. Un petit rhinocéros machin laineux, là. Attends, ça brûle, oui, ça brûle. Ok, j'ai totalement foiré, c'est pas malin, je fous le feu à la nature. Ce qui n'est pas très écologique, on est d'accord. Mais on s'en fout, parce qu'on va lui mettre cher. Tiens, allez, tiens, prends ça. Prends ça, saleté. Touche pas le mammouth par contre, ça pourrait avoir quelques petites conséquences, du genre, aïe, voilà, ce genre de conséquences. Exactement ce que je pensais, c'est juste de récupérer, non, tu m'auras pas le mammouth, deux fois peut-être, ah, quoique, si, il va m'avoir. Si, si, il va bien m'avoir, on se barre vite fait. Wouh, c'était juste le mammouth sur mon bon chasse, heureusement je suis plus rapide que. On va juste pouvoir récupérer ça. Et vite, 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 est-ce que je l'ai eu? Sagaie, viande x2, peau de rhinolineux, yes, je l'ai eu. J'ai eu, mais je suis un petit peu dans la merde. Tout petit peu dans la merde, il me rattrape. Vite, on se trouve qu'il est super rapide ce truc. Ça sauve tellement la vie. On voit sur la mini-map, je suis totalement coincé. Faut que j'ai troll. Faut que j'ai troll un petit peu, voilà. Genre comme ça. Ah, ils sont vraiment pas contents les mammouths là. Ils sont légèrement énervés. Qu'est-ce que je fais? Ils vont se calmer. Salut petit. Je peux t'attaquer? Oh, les gars qui a pas peur. En plus, oh mon pauvre. Non, il va mourir. Il va mourir le pauvre. Je l'ai trop pas. Salut toi. Allez, bouge pas. Viens par là. Montre que t'es un homme. Pas d'homme. Un animal surtout. Et tu m'auras compris. Bon les gars, laissez-moi descendre. Laissez-moi descendre parce que là je sais pas que je suis dans la merde, mais c'est tout comme. Oh le rhino. Non pas le rhino, le mammouth. Il est là, j'avais pas prévu ce détail. J'ai pas du tout prévu éteindre le feu. Est-ce que je peux réussir à le réanimer? Oh ma diolo. Vas-y. Et ensuite la viande. Ouais, c'est bien. Balance de la viande et barre-toi. Barre-toi, est-ce que je peux monter sur son dos pour qu'il. Viens. Bats-toi pas, t'as aucune chance. Mais non, mais t'avais aucune chance. C'est dommage. Il est enflammé. Boum. T'en veux? J'en ai plein comme ça. Je vais en fabriquer d'autres. Si t'as envie, j'ai confectionné. Ah, j'ai plein. On va confectionner d'autres, faut dire vite. Parce qu'en fait, je manque un petit peu de ressources, on va dire. Mais s'il veut tuer du combat, y'a pas de soucis. Moi, je suis là pour ça, mec. Je suis là pour ça.
Wouh, dernier Sega, c'est bon. Est-ce que je peux récupérer mes Sega s'il te plaît? Tiens, pas bouger toi. Tiens, t'en veux d'autres? Tu veux que je te tape? Le gars qui s'énerve tout seul contre les trucs. Sauf que je vais mourir. Est-ce qu'il est en train de venir sur moi? Attends, viens là. Viens là. Tu me fais pas peur, mec. Enfin, un petit peu quand même là. Un tout petit peu là quand même. Wouf, essaye de te parer. Je suis un peu coincé. Faut jouer avec la pierre. Réanimer l'animal, ça serait bien. Vite, 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 vite. Faut tourner avec. Faut tourner autour. Ah, tu m'as pas là. C'est bête ça. Ouais, non, là, tu m'as eu. Tu m'as eu. Je m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, j'ai dit, fous-moi la paix. Waouh. C'est chaud. Est-ce que je peux récupérer au moins ça? Vite, vite, il arrive dessus. Barre-toi. Barre-toi. Perds pas de temps. C'est ce que j'ai une saga. Oui, c'est bon, j'en ai récupéré une. Mets-la en feu. Mise à mort. C'est bon. Il l'a eu. Oh, le stress, quoi. Tiens. Prends ça. Par contre, ça m'a coûté cher en ressources, tout ça. Ça m'a coûté très très cher en ressources. Est-ce que je peux me refaire des sagas? Oh là là, j'en ai que 3. Ça m'a coûté une petite fortune. Attends, il y en a une là. Faut vraiment essayer de les récupérer. Sans problème, c'est que c'est tellement gros ces trucs. Tu peux te pousser, s'il te plaît? J'en ai pas assez. Merci, petit mammouth. Petit mammouth très discret. Non, c'est l'autre que j'ai récupéré. Du coup, j'ai un petit peu de saga. Il faut vraiment que je récupère. Je sais pas ce qu'il me manque en fait. Faut pouvoir essayer d'en créer. Montre-moi ça. Qu'est-ce qu'il me faut? Du silex. Ah, c'est les peaux de bête. Surtout qu'il me manque, c'est ça. C'est des pots de bête, donc c'est pas très grave ça, c'est facile à récupérer. En principe, il n'y a pas trop de difficultés. Viens là, viens là, petit tigre, que je te file à manger. Je te remercie, après tu vas sur mon dauphin. Alors, feu de camp découvert, nouveau point d'apparition. Sous ma petite bête, parce que sur le chemin j'ai pas mal de combats. Et on a pris plutôt cher. Est-ce que c'est bon? T'es full live? Yes, on peut y aller. Donc, nouveau feu de rap. Il n'y a pas besoin de la flammer normalement, mais bon. Juste pour le plaisir. Voilà. Salut les petites bêtes. On est parti vachement vite en fait. D'accord, j'ai tout à mon tir à côté. Et pas qu'un peu, est-ce qu'on pourrait faire un petit peu de chasse pour avoir des petites peaux? Ça m'arrangerait fortement. Et vas-y, arrête de bouger saleté. Voilà, t'es un petit tapir. Ah non, il est pas mort encore. Il y a tout ce qu'il y a dans les fesses. Quand même. Voilà, petit tapir, file-moi ça. Il y a des loups, c'est la nuit les amis. Les loups sont présents. Mais j'ai pas trop peur des loups, donc ça va. Tiens, juste dans la cuisse pour t'embêter. Pour dire genre... Oh, ça fait mal, hein. Ça fait mal, d'autres volontaires? Non, foutez-moi la paix. Oh, pas mal, il a chassé pour moi. Je te remercie, en plus c'était un rare, je crois. Celui que je viens de choper, j'ai bien fait de flinguer du coup. Est-ce que t'aurais des potes avec toi? D'autres loups blancs? Oh, ça j'aime pas par contre. Ça j'aime pas spécialement. C'est quoi ce truc? D'accord, je sais pas ce que c'est mais je l'ai pas encore. Est-ce que je peux réussir à le chasser peut-être? On va tenter. On va tenter. Viens là. Viens là, saleté. Bah il fuit ce con. D'accord, bon bah tant pis. Il fuit lâchement. Est-ce que tu veux un peu de viande? Non, t'as pas envie de viande? On aurait testé, écoute. On aurait testé, mais malheureusement t'en as pas envie. Ah bah fond enfin. Je vais me barrer, je fais, tiens, prends un peu de soin, on va de faire le coup, on part d'ici. Fous-moi le pépé, saleté de loup. C'est pas grave ça, quel respect ces petits loups. Du coup, maintenant qu'on a réussi à avancer jusque là, on va voir exactement ce qu'on fait. Là, on a des feux de camp, là, on a un petit... Oh, avant-poste de pierre cachois, très difficile. Je pense que je vais te péter la gueule, écoute. C'est pas méchant, mais c'est dans mon avantage pour libérer un peu la vallée par ici. Donc on va y aller tranquillement, apparemment c'est un chemin par là. Donc let's go les amis. Ah, j'étais légèrement repéré, je suis en train de me battre avec des animaux. C'est pas très grave. Waouh, ils font mal. Ils font quand même bien, bien mal. Toi, t'as de foutre le feu. Oh, tu t'es un peu brûlé, monsieur. Mais c'est dommage, il brûle le pyromane. Il va mourir, le monsieur le pyromane. Voilà, annuler les flèches. Juste récupérer ça sans cramer si possible. Voilà, c'est tout bon. Alors, apparemment, c'est à 200 mètres par ici. Est-ce qu'on a une vue d'ensemble depuis là? Parce qu'il faut que j'avance un peu plus. Ah, je crois qu'on est un peu loin. On est un peu loin, mais on s'en approche. On est plus très loin, c'est juste ici. Juste... Ah oui, quand même. Effectivement, c'est du camp, ça. On est d'accord que c'est du bon gros camp. Mais écoute, mais... Enfin, camp... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je me plante à chaque fois. Allez, montre-moi ça. Est-ce que tu peux me repérer un petit peu toute la zone, s'il te plaît? On va essayer de marquer tout ça. Donc là, il y a de quoi donner l'alarme. Ah oui, c'est vraiment du bon gros camp. Écoutez, pas mal, ça. Faire gaffe pas attaquer maintenant, bien que je spot tout le monde. C'est le plus important. Est-ce qu'à l'extérieur, il y a du monde? J'ai pas l'impression. On a un animal, là, ça pourrait être efficace. C'est juste de spotter d'abord tout. Ok, il y a encore du monde ici. Limite, dès que t'as réussi à tout spotter, ce qu'on va faire, c'est lâcher le fauve. Le fauve qui fait des dégâts. Attention, chouette, t'es trop loin. Attaque-moi ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Bon, bah écoute, c'est pas grave. T'es mort, ce qui peut m'arranger. Est-ce qu'ils vont s'en rendre compte? J'ai pas l'impression qu'ils se sont rendus compte. Voilà, donc c'est tout à mon avantage. Il faut juste attendre 40 secondes pour pouvoir reprendre ma chouette. Parce qu'idéalement, j'aimerais pouvoir empêcher l'alerte. Ce serait quand même un bon gros plus. Il y a lui. Ah, il y en a un là qu'on a pas spoté. Toi, je t'ai vu, mec. Est-ce qu'on peut réussir à spotter encore du monde comme ça? Ah, mais ils sont trop, laisse tomber. En version discreto, ce sera impossible. Ok, lui, il est trop loin. Il est trop, il veut pas le spotter. Dommage. Quand on va faire ça? Quand on va faire ça? Est-ce qu'on tente une approche par derrière? J'en arriverai là-bas, boum.
On essaie de se faire le gars ici. C'est lui qui me fait le plus peur et je prendrais plutôt la chouette pour lui. Attends, j'attends un petit peu parce que ma chouette est de retour. Une seconde, voilà, parfait. On peut la reprendre. Voilà, disait un transporteur, on est reparti. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais faire lâcher le faux, on avait dit. Il y en a un gars qui peut donner l'alerte, je peux me le faire à la main. Je pense que limite le faux, ça va être la meilleure solution, enfin. Juste ici. On essaie de faire un dernier petit tour, être sûr qu'il n'y ait personne d'autre. Mais ça a l'air d'être bon, enfin. Ah, là-bas au fond, il y a plein. Il y a beaucoup de monde. Sinon, je suis un peu trop loin là-bas. Attends, fais demi-tour. Allez, go. Libère le fauve qui est en toi. Ils vont s'amuser avec ça. Je laisse vous faire faire joujou, les gars. Moi, pendant ça, je vais me faire le gars qui donne l'alarme. L'alarme, je veux dire. Qui était juste ici, normalement. Ouais. Effectivement, est-ce que je peux me le faire d'aussi loin? Oui, je pourrais me le faire. Il a bien giclé du reste. Reste en haut, personne te voie. Oh, ils sont en train de paniquer comme pas possible. Mais tant que je suis bien planqué, ça va le faire. Oh, ça fait mal. Ça fait mal, mon gars. Tu m'as pas vu. Une autre fois, peut-être. Ils se doutent de quelque chose. Ils se doutent de quelque chose. C'est quoi? Ça, c'est le faux. On laisse tranquille. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a un gars qui peut donner l'air, ça. Mais bon, il est clairement trop loin. Je... Et il s'est rendu compte de quelque chose. Mais il n'a pas encore réussi à trouver. Qu'est-ce qui se passe, donc? Qui me lance des flèches dans la gueule? Les gars, ils comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que, genre... Wow, c'était pas loin, celui-ci. C'était pas loin. On l'attend un petit peu. Il est juste là. Il est juste là. Ah, tu fais de la merde. Tu fais de la merde. Limite, les abeilles sur lui, ça pourrait être drôle. Non, recule, recule, recule. Fais gaffe, fais-toi pas repérer. Sois un gentil petit lion. Enfin, un gentil petit tigre plutôt. Prends, tiens. Oh, ouais, les abeilles, ça peut être drôle. Ça peut être carrément drôle si on pouvait lui envoyer ça dessus. Vas-y. Oh non, je suis repéré. T'es pas sérieux? Qui m'a vu? Qui m'a vu? Bon, c'est pareil, il va s'amuser avec les abeilles. Les autres, je pense qu'ils vont choper. À mon avis, on pourra appeler les renforts. Il y en a en train de courir. Ouais, il a les appelés en forme. C'est pas grave, du coup, les gaufres. Écoute, ils veulent le combat? On va avoir du combat. Moi, je suis pour. Tiens, tu m'actives ça au passage. Ensuite, tu m'actives ça. Enflammé, non, c'est pas exactement ce que je laisse. Sous-fabriqué. Confectionné, voilà. Éteins le feu et on y va. C'est parti. Il est pas mort encore, lui, là? Il essaie de m'embêter jusqu'au bouffe. Tiens, essaie de descendre. Coucou. Tu m'as pas vu? T'aurais dû pourtant. Regarde ce qui t'arrive dans la gueule. Regarde ce qui t'arrive dans la gueule. Ah oui, parce que c'est un résistant, le monsieur, quand même. Je suis en train de prendre cher là. Attends, je suis en train de beaucoup trop cher même. Vite, 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 barre-toi un petit coup. Ce qu'on va faire, c'est prendre des abeilles. Parce que là, ils sont juste tellement que tu peux faire un carnage. Tu peux faire un énorme carnage. Oh oui. Oh là là, le carnage qu'ils vont prendre. Ils vont se faire littéralement éclater. On va se barrer vite fait. Tiens, on va faire un petit tour dans le village. Coucou les gars. Tiens, juste pour le plaisir de péter ça. On a absolument aucun intérêt. Non, je vais pas péter. Oh, attends, laisse-moi casser ta cage, monsieur. Voilà. Je me barre. T'inquiète pas. Je ne reste pas, attaque les autres. Moi, juste passé te libérer, parce que je suis un gars comme ça, je suis un gars sympa. Et on se planque, je lui file un peu de nourriture et je reprends ma chouette. Et là, on n'est pas discret, mais au moins on a fait le taf. T'es où? Reviens là, s'il te plaît. Je te file de la nourriture. Sois pas con. Tiens, un peu de nourriture. Ça te fera le plus grand bien. La dernière. Ah, est-ce qu'il a très très faim pour? Tiens. Voilà. Et laisse-moi sortir la chouette. La petite chouette qui va faire le taf. Et ils se font massacrer. Du coup, ils ont deux animaux, enfin deux lions, je sais pas ce que c'est, qui est en train de les attaquer. De ce côté, il n'y a absolument personne. Et en plus, je les ai tous tués avec les abeilles, quoi. Ils sont faits, mais totalement explosés. Là, il n'y a plus. Il ne reste plus que 3 gages, j'ai l'impression. Enfin, ils ont pris très très cher, bah écoute, tant mieux. Est-ce que je peux faire les gros normalement? Je crois que oui. Ou bien, pas sûr. Pas sûr. Il y en a un que je peux me faire là. Et si je peux me faire l'autre, là, le tout gros juste derrière, ce serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Arrête de bouger, toi. Est-ce que je peux te défoncer, monsieur? Est-ce que je peux te défoncer? Ah non, je peux pas. Je ne peux pas, dommage. Bon, écoute, tant pis, tu me fais celui-ci. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Bon bah du coup on y va, parce qu'il nous reste pas grand monde. Non, Kara, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Moi je vais aller au combat, je vais me battre. Comme un vrai. Tiens, vas-y, viens sur mon dos. Et on y retourne. On sait maintenant où ils sont, enfin. Tiens, il y en a un juste ici. D'accord, totalement foiré. Du coup, oh, t'es un peu mort. Il doit plus rester beaucoup de monde à mon avis là. Vu le carnage qu'on a pu faire. Tiens, tu vas préparer ça pour lui. Parce qu'il est un petit peu résistant le monsieur. Il est ouf. Et toi, t'es non. Est-ce que c'est toi que je voulais? Non, c'est pas toi que je voulais, c'est pas grave. Ah oui, c'était toi. Ah, c'est tout. Bon, bah écoute, c'était facile. C'était facile. Victoire. Bon, niveau discrétion, 0. Mais niveau efficacité, franchement, elle les a littéralement mais explosé, les types. Ils ont rien pu faire. Ils ont absolument rien pu faire. Ça, on aime. Ça, on apprécie. Alors, je reviens ici, en flammer ça again. Non, je vais y récupérer la loot, écoutez. Par contre, la base est légèrement en train de brûler. Il y a juste la moitié de la base qui crame, mais on s'en fout, c'est pas notre souci. Niveau compétences, du coup, je vais avoir un point de plus, mais on sait que c'est peut-être pas très utile.
Ah non, j'ai pas encore eu mon point, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, du coup, non, rien à faire. Et du coup, niveau carte, toute cette zone est délivrée. Du coup, on peut aller se faire le bûcher du roc tenace. Allez, on enchaîne. Alors, on y est presque. Attends, il y a un gros truc qui vient de gueuler, c'est quoi ça? Au milieu de la carte, de quand c'était juste un lion, on dirait. On s'en fout, enfin, un tigre. Non, même, je ne sais plus parler, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on attaque ces méchants. On peut... Est-ce que je passe par là directement? Écoutez, j'ai une occasion, donc on y va, on verra bien. Enfin, on verra bien. Attends, c'était ouf. Je suis allé trop vite. Le tigre, il va. Ah non, c'est juste là. C'est juste là. A priori, ça peut être intéressant pour aller par en dessous. On va tenter, voir un petit peu ce qu'on peut y trouver. Et du coup, ce serait l'avant-dernier bûcher, c'est pas la bêtise. Il me semble bien. Enfin, quoique, ça me paraît un peu. Ah, plus qu'un seul bûcher, ça me paraît peu. Enfin, bûcher du roc tenace. Coucou. Ah oui, d'accord, je suis rentré vraiment direct dedans. Salut mon gars. Exécution. Exécution, j'ai dit. T'as pas envie? D'accord, j'ai foiré mon exécution, mais alors d'une force magistrale. Du genre, comment mourir comme une merde? J'ai tout sur une petite coupe. Je suis légèrement repéré, du coup. Très légèrement repéré, putain, on va faire ça à l'ancienne. À savoir, on prend ça, et on y va. Salut mon gars. Tiens, prends ça. Voilà, au suivant. On va faire un par un. Pousse-toi. Bah, y'a pas de soucis. Par contre, vous appelez en renfort, c'est pas cool. C'est pas cool, c'était pas prévu. Parce que j'ai totalement foiré mon élimination. Je pensais pas arriver directement là, au centre comme ça. J'ai été pris de surprise. C'est pas grave, écoutez, ils se font littéralement. Salut mon gars. Ils se font littéralement éclater, on est d'accord là-dessus. Y'a pas trop de soucis. Et limite, est-ce qu'on balancerait pas une petite. Ouais, non, une petite grenade, ça aurait pu être sympa. Mais pas nécessaire. Oh, cette élimination. C'est vrai qu'il faut que j'utilise plus les éliminations. C'est quand même bien pratique. Non, laisse-le-moi. Bon, bah, écoute, tant pis. Ce n'est pas grave. On allume ça et on fout le feu au bûcher. Le bûcher qui est juste là. Et c'est une victoire. Victoire express, là, pour le coup. On leur roule dessus, mais d'une force assez violente. C'est le cas de le dire. Bûcher du roc tenace. Bûcher revendiqué 13 sur 16. Ah, et donc il me reste 3. Ça me paraissait bien peu, justement, avant-dernier. Donc il me reste bien 3. Il me restait 4 avant ça. Comme vous avez compté, il n'y a pas de souci. Vous aurez compris également. Parce que, ouais, j'ai pas envie de récupérer le loot. Ça sert à rien. De toute façon, on s'en fout un petit peu. On y va. Et bah, viens par là, petit tigre. Je te file de la nourriture. Et puis on s'en va vers la suite. D'ailleurs, suite qui va être. Bonne question. Est-ce que niveau compétences. Oui, j'ai mes 4 points. J'ai mes 4 petits points. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui pourrait me manquer de vraiment pratique? Allez, vas-y, je prends la santé en plus. Ça peut toujours être pratique. Pas mourir bêtement, c'est plutôt cool. Allez, par rapport à la carte, il me resterait quoi? Apparemment, je vais juste descendre un petit peu pour voir la zone et puis c'est tout. Je sens qu'on a fait toute la zone. Oh, écoutez, on a bien fait, du coup, il ne nous restera plus que ça. On a bien avancé, à mon avis, c'est plutôt cool. Ok, c'est quoi ce truc? Camp de Creusevoix, lui découvert. Il y avait un marquage un peu bizarre. À quoi ça correspond? 26 mètres? Est-ce que je vais poser un totem peut-être? Pour que c'est un piège? Ah non, c'est pour les pièges, c'est juste, on s'en fout du piège en fait. On s'en contrefou, ça n'a pas d'importance. Du coup, on se barre. Alors, du coup, là, je suis descendu jusqu'en bas et c'est bon, j'ai eu le feu de camp, j'ai tout ce qu'il faut. Écoutez, on a réussi à, nettoyer toute cette zone, elle est complètement sûre. Et il ne restera plus que du coup, vraiment cette zone-là, et à mon avis, la fortification Udan doit être par là. Bûcher de la colline, et je pense que du coup, on a le camp Udam qui doit être par ici, la grosse forteresse, pour détruire le méchant. Ce qui serait plutôt cool que ça, on pourra avoir accès a priori après pour terminer ça. Et on aura fait toute la zone, écoute, toute la carte sera nettoyée. On sera les chefs de la préhistoire, et ça, c'est cool. Mais du coup, les amis, pensez à laisser des petits pouces bleus, et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!